Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de ce mercredi 14 décembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé dire non. Ah, c'est pas facile hein, de dire non. Cette carte, elle vous conseille de penser avant tout à vous, à ce qui vous importe. N'ayez pas peur de décliner une invitation si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de vous reposer ou de passer du temps avec vous-même. Il est important de penser à soi et de ne pas faire pour faire plaisir. N'ayez pas peur de refuser ce service qu'on vous a demandé et qui vous mettrait dans une situation peut-être inconfortable. On vous invite à ne pas avoir peur de faire entendre votre voix, même si elle va à l'encontre de ce qu'on attend de vous, ou ce que vous pensez qu'on attend de vous. Il est important de savoir dire non, n'est-ce pas? Dire non n'implique pas forcément le rejet en retour. Vouloir à tout prix rendre service ne vous rend pas service à vous. Vous le faites pour faire plaisir à l'autre. Et vous alors là-dedans? Soyez moins sensible aux souhaits des autres et cessez de vouloir plaire à tout le monde. Écoutez-vous. C'est pas être égoïste, n'est-ce pas, de vous écouter et de dire non. Et c'est ainsi que vous apprendrez à ce moment-là à vous respecter pleinement. Et c'est ainsi que vous savourerez d'autant plus, eh bien, les moments passés avec les autres. Petit rituel. À chaque fois que quelqu'un vous sollicite, eh bien, demandez-vous, est-ce que je réponds par peur ou par amour? Est-ce que je suis en phase avec mes vraies envies? Eh bien, cela vous permettra de savoir plus facilement ce que vous souhaitez afin de, eh bien, de rester en accord avec vos envies profondes et de ne pas laisser les autres profiter de vous. Qu'ils agissent consciemment ou pas. Très beau message, n'est-ce pas? On termine avec l'oracle de l'évolution. Oui, hier je l'ai oublié. J'ai pigé, si tu veux aller de l'avant, eh bien, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Posez-vous cette autre question. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse?
Qu'as-tu besoin de transformer? Eh bien, on vous invite de faire une pause. Fais le bilan et puis agis en fonction du bilan que tu auras fait. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, dans le rire, la joie, la bienveillance, l'altruisme, l'empathie, la tolérance aussi, c'est important, n'est-ce pas? Sourire, c'est important aussi, hein, ça nous fait du bien à notre mental. Et puis voilà, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse. À demain.